Ok, c'est parti, on est sur l'antenne, sur France TF1, chère Claire Chazal. Voilà l'interview et... Non, je rigole, je déconne. Ah oui, il faut que j'appelle quelqu'un, là. Parce que voilà, en fait, je suis à pied parce que... Ouais, pour vous montrer où j'habite... Voilà, donc j'habite évidemment à Mézières-en-Brenne. Qu'est-ce que je fous là? Évidemment, c'est pas moi qui a décidé d'habiter à Mézières-en-Brenne. C'est déjà ma belle-mère, elle était mutée. Nous, enfin moi j'habitais à Paris avec mon père et ma vraie mère, parce qu'elle n'est plus là, elle s'est suicidée dans le bain. C'est vrai que j'ai une vie assez... J'aimerais bien, voilà, ce que je veux, c'est réussir, quitter le CAT et réussir. Je ferai tout pour réussir. Il faut que j'appelle quelqu'un, là, parce que, voilà, je... Okay. Ouais, là, je suis sur la route, tu peux venir me chercher? Ouais. Hein? Ouais. Oui, bah peut-être, je sais pas encore. De quoi? Ben, je rentrerai à la maison et puis voilà. Oui, bah on verra ça ce soir, ok? On verra ça ce soir. Moi là, il faut que je rentre, je vais voir peut-être Muriel là, tiens. Je vais voir Muriel. Ouais. Après, il faut que j'appelle. Mais vite fait, je vais la voir. Oui, je vais appeler. Il faut que j'appelle et puis que j'écris encore. Que je finisse ma chanson. Et puis. Voilà. Ah, bah, ils ont pas changé, les filles. Hein. Ils sont tout le temps chiantes. Non. Non, rien. Eh, t'es où là? Oui, attends. Oui, à tout de suite. Eh. Voilà, c'était quelqu'un, va me rechercher. Ça faisait. Comment dire? J'ai des problèmes pour m'exprimer, hein. Vous inquiétez pas. Oui. Ah bah, il y a quelqu'un qui va venir me chercher. En fait, c'était pour montrer où j'habitais, en fait. Une amie qui va me chercher. Voilà où j'habite. J'habite là. C'est là. Voilà, c'est l'enfer. J'espère que je pourrai réussir. J'espère que je pourrai quitter un jour. Parce que moi, je suis né à Paris. Hein. Ça fait longtemps que je suis ici, là. Ça fait au moins 5 ans. J'aimerais bien... je me bats pour réussir. Je fais tout et n'importe quoi. Hein. Pour réussir dans le milieu-là, je fais n'importe quoi. J'invente mon histoire, je raconte même. Il y a des choses où c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis. Enfin, si, je travaille au CAT, ça c'est vrai. Ou j'ai perdu ma mère, ça c'est vrai. Ma belle-mère aussi, ça c'est vrai. Mais je peux pas dire ce que c'est pas vrai ou ce que c'est vrai. Mais je vous jure que ça c'est vrai. Où je travaille au CAT, ça c'est vrai. Où j'ai perdu ma mère, ça c'est vrai. Ma belle-mère aussi. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que dans le milieu-là, il faut faire le buzz, comme on dit. Le buzz, il faut faire le buzz, il faut choquer les gens.
Donc moi, je fais tout, je fais tout. J'ai des idées en plus. J'ai des idées pour que ça marche. Et voilà, j'ai plein de projets qui vont être en place là, à la rentrée. Mon futur album, c'est cool. J'espère que ça va y aller. Voilà, bah là, je suis dans la terre, là, vous voyez, là. C'est la terre, oh là là, j'en ai plein partout. Hop, purée. Qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je serais mieux sur scène ou sur le tapis rouge? Sans blague. Ah! Oh là 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 là, my god. Sans blague. Il est où le tapis rouge? Sérieux? Qu'est-ce que je fous là? Quand je vois la musique à Roi, là, pour 2013, là, putain. Ou Tal. Parce qu'à un moment, il y a la. Ah, j'ai la terre partout. C'est. Oh my god. Et à un moment, le présentateur, c'est un présentateur TF1, a discuté avec Tal, la chanteuse. Et à un moment, il dit, le présentateur, alors, vous allez bien? Puis elle a dit, bah ça va bien, ouais. Vous allez où? Et puis à un moment, il dit, le présentateur, vous allez où pendant les vacances de Noël? Bah Tal répond, à Miami. Bah, voilà. Et moi, quand j'entends ça, putain, mais à part à Miami, et moi, alors, moi, je peux pas partir, moi. Moi, je vais rester ici toute ma vie, là, faire les barquettes, là, et puis, allez, il faut se dépêcher, allez. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de, là. Mon usine, c'est tout là-bas, là. L'usine, là. Vous voyez l'usine, là? L'usine, c'est là-bas. Voilà. C'est là où je travaille, c'est l'enfer. Je vous jure, je fais les barquettes. Ouais. Je vous jure, je fais les barquettes, c'est l'enfer. J'aimerais. Peut-être un jour, je serai en musique à Roi. Enfin, moi, je ferai tout pour réussir. Bon, c'est vrai. Je sais que je suis pas tout seul, il y a plein de gens qui veulent réussir. Mais moi j'ai un cas spécial. J'ai un cas spécial parce que il n'y en a pas beaucoup des gens comme moi qui travaillent au saté, qui viennent du barquette et qu'il a perdu de mère, enfin ma vraie mère et puis la deuxième fausse mère, ma belle-mère, et puis qui travaille dans un CAT qui fait les barquettes toute la vie, quoi. Et puis réussir dans le milieu chanteur, artistique. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Ah, un appel là. Attendez. Oh my god. Ouais. Bah je suis... Mais continue. J'ai pas encore dépassé le chemin là. Le chemin, tu sais... J'ai en train de filmer mon histoire où je te montrerai, ok? Oui, ok. Voilà mon ami. voilà où je travaille, c'est là-bas, voilà. Bon, c'est vrai, qu'est-ce que je voulais dire, voilà quoi. Bon bah, je vais couper là. Je vais faire une séance. Oh, c'est beau. Bon, à part ça, c'est beau, c'est joli, mais sinon.